Le 16 avril 2020, la France perdait l'une de ses plus grandes voix, Christophe. Une tragédie pour ses millions de fans, mais avant tout pour ses proches, notamment pour sa dernière épouse, Véronique, qui a de plus dû affronter une autre épreuve, les accusations de Michel Thor, qui a eu une aventure avec Christophe dont serait né un enfant, Romain Vidal. Si le chanteur n'a jamais voulu reconnaître la paternité, ça n'empêche pas Michel Thor de rester très impliqué dans leur relation, au point de dénoncer l'année dernière la sortie des mémoires de l'artiste. Je ne pense pas que ces mémoires soient de la main de Christophe. Je sais même par un ami commun que ce livre n'était pas commencé quand il est décédé. Michel Thor reproche notamment à Véronique Bevilacqua de l'avoir tenue à l'écart de Christophe durant les derniers instants de sa vie, car elle n'aurait jamais accepté l'existence de ce fils caché. Des attaques qui se seraient même répétées ces derniers mois, sans que la veuve du chanteur n'y réponde. Elle a pourtant décidé de sortir du silence en acceptant l'invitation de Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP. Et là, elle critique Michel Thor en disant « Bon, à un moment donné, il faut lâcher l'affaire. On ne peut pas rester derrière quelqu'un comme ça, le poursuivre pendant 50 ans, c'est lourd, quoi. »